terre en coupe la soude. Mais tout c'est le travail. Ouais. Didier Tolo qui sort sous les applaudissements du public stéphanois. Tandis que Titi Camara va retrouver son copain Étienne Mendy. Nédé revient, mais Camara. Fabrice Bouquet qui sera. Attends sur le ballon, un bon centre. Et but, Étienne Mendy. Superbe troisième but marqué par les Verts à l'instant. Quel but! Ah oui, Jean-François Titi Camara qui marque son premier but. Crochet, un tir, arrêt de Piveton et Camara. Quatrième. Et doublé pour Titi Camara, c'est dommage pour Piveton car il avait réalisé un véritable exploit. Quatrième but marqué par la Saint-Étienne ce soir. Un but de Titi Camara. Ah, on a bien fait de le faire rentrer. À refaire d'entrée de jeu. À la faute terrible de Benken, carton deuxième, rouge. Deuxième. Exclusion. Et c'est bien joué de la part de Roland Courbis d'avoir mis un feu follet comme. Mais deux cartons. Oui, rappelez-vous, en première mi-temps, 37 minutes de jeu et Benken avait pris son premier carton parce qu'il avait fait plusieurs fois faute sur Camara qui était venu le provoquer, venu le défier. Et Titi Camara a bien compris qu'il fallait continuer. Un centre, la tête de Dugarry. Oui, ouais, ça rentre. Marseille qui mène maintenant sur le score de 3-1. Christophe Dugarry voulait marquer, il a marqué. Troisième but en Coupe de l'UEFA pour Christophe Dugarry. L'Olympique de Marseille est sur la bonne voie. Devrait assurer sa qualification. Il a déposé Titi Camara. Léonard, il a raté sa passe. Léonard Camara, l'occasion. Et voilà. Le deuxième but pour l'Olympique de Marseille sur cette nouvelle erreur défensive. C'est Titi Camara qui vient de redonner l'avantage à l'OM. Et avantage pour Ato justement qui lève les bras pour faire suite à ce dessin de Chenez. Titi Camara qu'on avait vu surtout attentif. Chabastia. Ah, le voici à nouveau Camara qui frappe et qui ne cadre pas. Que Titi Camara, Camara en pivotant. Et c'est le but. Titi Camara qui marque pour l'Olympique de Marseille, qui avait marqué déjà au match aller, le sauveur de l'OM. La délivrance pour les Marseillais, on sentait le chaos entre deux équipes qui recherchaient ce but. Et bien, elle est venue des pieds de Jocelyn Gourvennec pour Titi Camara. On l'a dit, Titi Camara, celui qui est rentré, l'homme frais, le joueur frais, de ses pieds. Pouvait venir la décision et elle est venue de son pied gauche. Fin pour Ato. Et les Marseillais tiennent peut-être leur première victoire depuis le 14 novembre dernier. C'était contre Lens. Depuis, il n'y a eu que des matchs nuls. Même si celui obtenu en principauté était positif, on le voit encore ce soir et la colère de Fabien. 3-0 aussi pour Marseille contre Metz, avec notamment ce déboulé gagnant de Titi Camara. L'hiver approche et les conditions climatiques sont de plus en plus mauvaises, surtout dans le sang. Imaginez alors la pression que peut supporter Camara pour sa première titularisation. Mais quel soulagement lorsqu'il trouve enfin la réussite. Les larmes de bonheur de Titi Camara, c'est l'image forte de cette septième journée. Délivrance collective aussi, puisque l'OM renoue avec la victoire en s'imposant à Bastia 2-0. Camara lancé à 100 à l'heure, il n'a pas été chanceux depuis le début de la saison. Et bien là, il réussit à égaliser. Titi Camara inscrit son premier but en championnat sous le maillot marseillais. Au propre comme au figuré, vous le voyez, Rabanelli fait des émules, ou plutôt un heureux, celui qui aura finalement récupéré ce maillot. Et la question du jour, que fera-t-il si Titi Camara marque une deuxième fois? Alors là, Philippe. Matteo Camara. Still Titi Camara, and that should mean the 3 points for Liverpool. Still a bit for Titi Camara to do here once he checked back in. Camara. Schmitzer. Oh, Camara, terrific goal! Wonderful volley by Titi Camara. Just for a moment, Vassen, who got a left hand to it, might have felt he'd kept it out.
but from Spitzer's cross, Titi Kamara rocketed the ball into the corner of the net to give Liverpool the lead. Well, he set up the move with his ball to Spitzer, and that's a great volley. Now Kamara, Liverpool have got an army charging forward to his left, and heading that army is Deep Rahman. He'll leave it though for Dominic Mateo. On the outside of Irons, it's Mateo! Oh, Ferdinand missed that one. Kamara! Ball from Thompson, he could get the cross in here. It's a good cross, comes right across, and it's a mistake by Ferdinand, and it's a goal for Liverpool. Titi Kamara's fourth of the season, and Rio Ferdinand, a slip at a vital point that gives Liverpool a goal. Gerrard! And Titi Kamara! Liverpool lead! Kamara. Good strike! Oh, what a goal! Kamara, one-on-one with David Seaman. And he's taken the chance, and Liverpool have the lead at Highbury. And it'll reach Kamara! And he's got the goal that he's earned! He kisses the badge! And the he's playing sort of a left winger, like a left striker really, and he was on fire. Lee Dixon goes way back, follows the run. Well, he shouldn't have been doing from that side of the pitch. He can't affect the play from that far away. The two centre-backs, Grimaldi had a little look at Keown, they seemed to know they were stepping out. Lee Dixon very unusually has gone back deeper, but it's a wonderful... بالراس راضي جعدي عليه تيتي كاميرا تيتي كاميرا والتعادل الغيني كاميرا الان غيني متالا تيتي كاميرا في ثالث اهدافه في هذه البطوله اذا تيتي كاميرا يستغل خطا في وسط الدفاع التونسي في الغيني في وقت حساس في وقت قاتل شوف تيتي كاميرا يستغل خطا في محور دفاع المنتخب التونسي ويسجل هدف وخبره المواعيد الكبرى لتيتي كاميرا اللي تواجد في هذه المسابقة سنة 1994 في تونس. طالفة هذه هي فرحة اللاعبين الغينيين اللي فكرة دخلوا في الملعب ونتيجة نهائية إذا تونس تتعادل مع غينيا هدف لهدف تقدم سليم بن عاشور وتعادل تيتي كامارا.